elle est consacrée à la question des guerres idéologiques en Europe. Donc, ce sont des guerres plutôt pacifiques, mais qui peuvent donner lieu à des disputes intenses. Et je suis très heureux d'avoir donc quatre personnes sur le plateau, en tout cas trois présentes ici, et une intervenante en visioconférence. Et surtout d'avoir parmi ces quatre personnes Jean-Pierre Landau, qui est l'inspirateur en fait de cette session, puisque c'est après la lecture de son livre The Euro and the Battle of Ideas que j'avais trouvé cette approche des questions européennes intéressante. C'était d'essayer de lire dans les conflits européens des positions qui sont des positions idéologiques, de conception de qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que le bon gouvernement, qu'est-ce que c'est que la bonne société, et que ce sont des déterminants très forts de la façon dont l'Europe avance. Alors, j'ai quatre intervenants. Xavier Rago va prendre la parole en premier. Xavier Rago est professeur d'économie à Sciences Po, président de l'OFCE. Il est directeur de recherche au CNRS. C'est un économiste. Mais nous n'avons pas que des économistes sur le plateau. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Antoine Vauchez, qui est... Antoine Vaucher. Vaucher, c'est mieux. Oui, on ne prononce pas le Z quand on vient de la montagne, exactement, du Jura. Donc, Antoine Vaucher, qui est directeur de recherche au CNRS, mais qui n'est pas économiste, qui est un politiste, et qui est en poste dans un laboratoire de Paris 1, et un très bon connaisseur des questions politiques européennes. Il a beaucoup travaillé sur ces sujets. Jean-Pierre Landau, professeur associé à Sciences Po en économie, notre deuxième économiste du plateau, qui est un ancien gouverneur, sous-gouverneur de la Banque de France, et donc qui a une connaissance aussi des acteurs derrière ces conflits européens, ce qui évidemment sera très précieux dans ce débat. Et puis Amandine Crespi, qui doit nous rejoindre par visioconférence, qui est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, et qui est aussi une connaisseuse très, très fine de ces questions. Et donc, je suis assez heureux d'avoir sur le plateau à la fois des économistes et des politistes. Il y a des questions économiques qui vont être évidemment abordées. L'Europe est avant tout une construction économique. Mais c'est intéressant d'avoir aussi un point de vue plus large et ancré dans la question de la philosophie politique, parce que je pense que c'est déterminant. Xavier Rago, si vous voulez bien commencer nous poser le décor, au moins du point de vue des économistes, sur ces questions. Et lancer le débat sur un sujet fondamental, effectivement, à l'intersection de l'économie et des représentations. Et au fond, c'est probablement la même chose, l'économie et les représentations. Je vais commencer par un point central sur la question européenne, c'est partir de l'existant, c'est insister sur le plan de relance européen qui est débattu aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas évident qu'on arrive au bout du processus, il y a des oppositions de certains pays, la Hongrie, la Pologne. Mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est que dans cette crise du Covid, une proposition d'abord, franco-allemande, 2, repris par la Commission, 3, voté par le Conseil et donc par les chefs d'État, probablement on reviendra là-dessus, il y a des propositions qui ont été faites sur l'évolution de l'Europe qui sont inédites. C'est une Europe des transferts est actée, c'est-à-dire que le plan de relance transfère plusieurs points de PIB en net des pays frugaux, l'Allemagne, l'Autriche, vers des pays qui souffrent de la crise, les pays du Sud, Portugal, Italie, Espagne. 2 points de PIB, je le rappelle, c'est l'équivalent du plan Marshall dans l'après-guerre. C'est-à-dire les transferts générés par le plan de relance sont colossaux. Alors que l'Allemagne, avant crise, ne faisait pas d'Europe des transferts, c'est le deal, chacun pour soi, la monnaie pour tous. Donc, premier tabou, les transferts sont là. Deuxième tabou, l'endettement commun, avec 750 milliards, dont 380 milliards de subventions, ce qui fait une bonne partie de ces transferts. Petit 3, on n'en a pas parlé, mais il y a 100 milliards qui est le projet Schur, qui est 100 milliards d'une réassurance chômage européenne qui est mise en place au niveau européen et dont les premiers déboursements sont liés à cette crise. Donc, quand on regarde objectivement la réalité du budget européen, il est colossal. Avec cette scénographie dont j'ai parlé, France-Allemagne, Commission, conviction des autres pays. Et aujourd'hui, dans les frictions du plan de relance, c'est l'Allemagne qui monte au front pour
défendre le plan de relance face aux pays frugaux qui veulent absolument conditionner le plan de relance par rapport au statut d'État de droit en Pologne et en Hongrie, enfin surtout en Hongrie. Je ne rentre pas dans les détails du débat actuel, on pourra y revenir. Ce que je voudrais montrer, c'est la séquence. Comment, face à une même problématique, deux pays dont on pensait, dont les idéologies étaient très différentes, France et Allemagne, ont réussi à converger. Converger, et énormément, je dirais. Et je partirai de ces deux pays. Et pour arriver à ma conclusion sur laquelle je ferai réagir les gens, c'est-à-dire que l'Allemagne a introduit un salaire minimum en 2015. L'Allemagne accepte les transferts. L'Allemagne accepte une dette commune. Tous les tabous qu'on associe à l'idéologie allemande, qui était leur néolibéralisme, sautent les uns après les autres. L'Allemagne tenait à des règles de coordination. Aujourd'hui, les règles explosent et il n'y a plus de règles. C'est la Commission qui gère de manière discrétionnaire la dynamique des États dans cette crise. C'est-à-dire que c'est une institution discrétionnaire qui gère plutôt que des règles qui ne s'appliquent pas dans tous les cas. Les règles de Maastricht ont été suspendues. Ce n'est pas dire qu'elles ne s'appliqueront plus. La question de leur retour se pose. Donc, tout n'est pas... L'avenir est ouvert. Mais dans cette crise, la réalité économique a fait changer profondément les pays. Moi, mon point de vue, c'est que je pense qu'on a... Il faut se méfier de l'essentialisation idéologique des pays. Je ne crois pas que l'Allemagne soit vraiment ordolibérale. Je vais le dire directement. Je pense que l'ordolibéralisme... J'ai cité un auteur allemand qui était Liszt, qui disait que le libéralisme, au XIXe siècle, le libéralisme, c'était la politique industrielle de l'Angleterre pour conquérir des marchés. Donc, ce n'était pas une idéologie, c'était un intérêt bien compris. Je pense que l'ordolibéralisme, c'était l'expression d'intérêt bien compris des Allemands pour avoir des règles et avoir une stratégie qui leur permettait une modération salariale, une stratégie mercantiliste. Et quand l'ordolibéralisme n'est plus en phase avec les intérêts allemands, comme ça a été le cas en 2003, ils ont violé les règles de Maastricht parce qu'ils mettaient en place les règles de Schröder, ils ont violé les règles européennes pour s'endetter. Et quand aujourd'hui, il faut investir dans l'Europe, l'Allemagne est avant tout pragmatique et elle sait retrouver son intérêt. Alors, je vais finir là-dessus pour ne pas être trop long. J'ai bien conscience que ce que je raconte, ça fait un peu marxiste, quoi. C'est un peu, il y a les intérêts économiques et puis les guerres d'idéologie, c'est la représentation des intérêts économiques sous-jacents. C'est un petit peu caricatural, mais je suis sûr que l'intelligence, au moins de Jean-Pierre Landau, corrigera cette caricature. Merci Xavier. Et effectivement, un des objectifs de cette session, c'est de générer beaucoup de questions et de réponses. Alors, je vous rappelle d'ailleurs, puisque j'ai oublié de le faire en introduction, que vous pouvez intervenir sur le chat de YouTube, sur la page du Printemps de l'économie. Il y a des modalités pour intervenir, mais aussi par Twitter. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. Quelque part en régie, quelqu'un s'occupe de les synthétiser, de me les envoyer. Et donc, ça sera aussi intéressant d'avoir vos questions dans une deuxième partie des échanges pour rajouter un peu de piment à tout ça. Je vais tout de suite passer la parole à Antoine, qui forcément a des choses à dire. On a eu un point de vue pragmatique, délibérément et explicitement marxiste sur cette question. Un point de vue donc aussi très économique. Donc je laisse Antoine réagir. Merci de m'avoir convié à cette discussion et je suis très heureux qu'on ait la possibilité d'échanger entre économistes et politistes. Ce n'est pas si fréquent, après tout. De mon point de vue, pour repartir de cette question des batailles idéologiques, je pense que à l'occasion de cette crise sanitaire extrêmement grave du printemps dernier, on a assisté quand même de manière assez inattendue, ou en tout cas assez accélérée et précipitée, à une forme de dégel idéologique et politique européen. Ça s'est passé sans doute à la suite de mouvements souterrains dont on n'avait pas tellement forcément la notion, mais qui se sont précipités en quelque sorte dans ce moment-là. Il faut voir quand même qu'un certain nombre de dogmes essentiels, oui, qui paraissaient quelques semaines plus tôt absolument intouchables, ont été en quelque sorte remis en cause, ou en tout cas provisoirement remis en cause. Je pense ici, par exemple, au pacte de stabilité, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble des États de la zone euro participent d'un ensemble de conditions économiques et budgétaires qui contraignent aussi leur politique économique. Je pense à la politique de la concurrence, et dont la rigueur, en quelque sorte, a été en partie assouplie et toujours actuellement assouplie, qui permet des aides d'État, qui permet la relance. Je pense aussi à cette notion de solidarité intra-européenne et de transfert budgétaire qui est au cœur du projet de plan de relance. Donc, un certain nombre de notions clés
qui semblaient inébranlables ont été un peu remises en cause. Et je trouve que la première leçon qu'on peut tirer de cette crise, hein, d'une certaine manière, c'est que tout ce discours sur le marbre des traités, hein, qui est un discours qu'on a beaucoup hérité du référendum de 2005 et des débats très vifs, d'une certaine manière a perdu et un petit peu caduque aujourd'hui. Je pense qu'on mesure toute la marge qu'il y a à l'intérieur et aux côtés des traités pour faire toutes sortes de relances. Alors avec des limites sans doute, avec des critiques qu'on pourrait apporter, mais il y a du jeu. Il y a du jeu et ces longs sommets européens, y compris celui de juin qui a duré, je crois qu'il était à quelques minutes près le plus long de l'histoire, eh bien il se passe quelque chose dans ces sommets européens. Il y a de la politique. Il y a de la politique et il y a de la politique, je dirais, comment dire, publiquement. C'est peut-être aussi là une nouveauté. Je veux dire que jusqu'à présent, dans la crise de 2010-2012, les conflits, les rapports de force à l'intérieur de l'Eurogroupe se sont joués de manière feutrée et sans doute dans un rapport de force très défavorable, notamment à la Grèce, et se sont joués sur le mode de l'unanimité. C'est-à-dire qu'on ne vote pas à l'Eurogroupe, on va à l'unanimité, et donc, du coup, eh bien, les minoritaires se taisent. Là, ce qui est frappant, c'est que très tôt dans la crise, l'Espagne, l'Italie, et de manière assez surprenante par rapport à la crise de 2010-2012, la France, publiquement appelé à ce qu'on a appelé à ce moment les Corona Bonds, c'est-à-dire un endettement commun, et donc sont sortis de l'Eurogroupe, sont sortis de l'espace confiné des bureaucraties financières qui est celui de l'Eurogroupe, pour dire publiquement, sur un espace européen, et cadrer en quelque sorte politiquement la crise. C'est une crise de solidarité. C'est une crise de solidarité intra-européenne, et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et bien sûr, ça a créé du conflit, ça a précipité aussi la formation de ces frugaux, qui étaient déjà là, en quelque sorte, hein. Mais enfin, tout ça, ça crée, puisque le thème, c'est sur les batailles idéologiques et politiques, je pense que, voilà, on a ouvert le jeu, on a vu des batailles politiques comme... elles sont toujours en cours, bien sûr, et je crois qu'il faut peut-être partir de là, déjà, du terrain parcouru depuis 2010-2012, à l'époque où, bon, je me souviens de certains de mes collègues qui parlaient des Bocconi Boys, tous ces co-auteurs, Alesina et tous ces co-auteurs qui, finalement, avaient, on pourrait dire, pour dire vite, capté un petit peu la solution de la crise autour de l'austérité budgétaire. Et là, on voit bien que le débat a été beaucoup plus ouvert, idéologiquement. Combien de temps, la question reste posée, combien de temps ces dispositifs, hein, est-ce qu'ils sont durables, etc. Peut-être on pourra y revenir, mais en tout cas, peut-être pour ouvrir le débat, moi je dirais qu'effectivement, on a ouvert des marges de manœuvre assez inédites. Bien sûr, dans un marchandage interétatique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas satisfaisantes. C'est sans doute pas l'Eurogroupe ou les Conseils européens qui sont le meilleur cadre pour régler ces conflits idéologiques. Ils ne sont pas que des conflits idéologiques, parce que c'est des conflits de distribution, de redistribution, notamment des conséquences de la crise, entre pays, entre classes sociales. Donc ces conflits de redistribution, c'est sans doute pas dans un cadre interétatique qu'on va les résoudre. Et on l'a vu, puisqu'on termine avec des rabais en faveur du Pays-Bas. Enfin, ça devient toute une sorte de choses pas très satisfaisantes. Mais en tout cas, le débat a lieu. Maintenant, il faut espérer que, justement, il reste ouvert aussi longtemps que possible. Merci, Antoine. Je pense qu'effectivement, c'est important de dire qu'il peut y avoir des guerres, mais que ce ne sont pas forcément des guerres de tranchées. Donc, il peut y avoir aussi dans ces conflits, et c'est ce qu'on souhaite dans une démocratie, c'est qu'en fait, les conflits débouchent aussi sur des avancées. Je pense aussi qu'il est très important de ramener un certain nombre de résolutions de la crise qu'on est en train de vivre à, effectivement, le début de la décennie 2010 et la crise de 2012 qui a fait avancer, en fait, beaucoup de choses. Et peut-être que cette crise a révélé que les choses avaient effectivement avancé, mais que des morceaux avaient bougé déjà dès 2012. Jean-Pierre, dans votre livre, vous nous préveniez que des choses que nous, Français, on prend pour évidentes, ne sont pas du tout évidentes pour les Allemands, et que pour les Allemands, il y a au contraire des évidences qui sont des contresens pour les Français. Et que tant qu'on n'a pas compris ces malentendus, en fait, on ne pourra pas arriver avec des compromis. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite, je ne sais pas si elle est correcte, mais c'est l'occasion d'en discuter. Donc, par rapport à tout ça, et par rapport à ce que vient de dire Antoine Xavier,
avant de laisser Amandine s'exprimer sur ce sujet, elle a eu un petit problème de connexion, mais elle est avec nous, donc j'en suis très heureux, et donc elle parlera juste après vous. Mais voilà, votre point de vue sur cette question, Jean-Pierre. Oui, je vous remercie beaucoup, Xavier. Merci de m'avoir permis de participer à ce débat. Et le livre auquel vous faites allusion, sans faire de publicité littéraire, c'est un livre que j'ai écrit avec un collègue allemand et un collègue britannique. Donc on a eu beaucoup de débats et on a eu l'occasion de effectivement confronter nos philosophies économiques assez profondes. Alors, premier point, je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir et que le plan de relance européen est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ça a montré, contrairement à ce qui s'est passé en 2010-2012, que les gouvernements étaient capables d'agir de manière à peu près coordonnée, à peu près conjointe. Ça a donné une très bonne impression de l'action de l'Europe et ça a arrêté, me semble-t-il, la spirale euro-pessimiste en Italie qui menaçait quand même assez gravement la cohésion du système. Et on voit bien les résultats des différentes élections italiennes. Je pense qu'elles sont assez profondément liées au fait que nous avons fait ce plan, enfin que les dirigeants ont fait ce plan. Deuxièmement, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère ? Alors, Xavier me dit que je vais critiquer son marxisme. Non, je ne critique pas son marxisme. Je suis en désaccord avec cette tendance parfois un peu française de projeter notre propre vision sur les autres et de penser qu'ils y adhèrent. C'est exactement ce que vous avez mentionné à propos du livre. La France, en général, à peu près toute tendance politique confondue, pense que nous devrions vivre dans une Europe des transferts. Je pense que l'immense majorité de nos partenaires, y compris l'Allemagne, n'est pas de cet avis. Et que par conséquent, cette idée que nous allons, à la faveur de la crise, et parce que la crise a provoqué une réaction conjointe, encore une fois très bienvenue, arriver à faire changer la nature de l'Europe, je pense que c'est une idée qui, aujourd'hui, n'est pas vérifiée dans la réalité. Et que tous les signes nous donnent l'inverse, n'est-ce pas ? Nous avons des déclarations allemandes assez nombreuses et très précises, notamment de la chancelière, pour dire que c'est une opération unique. Et donc, que s'est-il passé ? Je crois que Xavier a fait une très bonne comparaison avec le plan Marshall. Mais le plan Marshall n'a pas changé les relations financières entre États. Ça a été une opération exceptionnelle, extraordinaire au regard de l'histoire, où un pays a donné inconditionnellement de l'argent à des autres, ce qui ne s'est pratiquement jamais produit en 500 ans d'histoire financière. Ça a été la réponse à un choc. Et nous vivons en ce moment en Europe un choc complètement exceptionnel, 10%, 12% d'en moins sur le PNB. Les meilleures perspectives de retour au niveau d'activité de 2019 se situent vers milieu 2022, début 2023. Donc effectivement, il est normal, il est même heureux, que les pays aient réagi ensemble à ce choc. Et c'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a la présidence de l'Union européenne, Xavier ne l'a pas mentionné. Elle remplit son rôle de président avec une très grande efficacité, une très grande ouverture. Est-ce que, encore une fois, c'est un changement d'air ? Rien ne l'annonce. Et tout le montage tel qu'il a été fait, on ne va pas rentrer dans le montage technique, mais le montage technique tel qu'il a été fait annonce une opération unique. Bon. Troisième point. Est-ce que nous avons raison, nous, Français, d'identifier l'Europe à l'idée de transfert financier ? Je pense que non. Je pense que nous avons tort. Et je pense que l'Europe, dans la mesure où elle est déchirée de tensions, de conflits internes, c'est parce que depuis 10 ans, on regarde tout sous l'angle des transferts financiers. L'Europe meurt de la tendance au repli nationaliste et du populisme qui est née du fait qu'on ne se projette plus sur les projets, on se projette sur qu'est-ce que ça va me coûter et qu'est-ce que ça va me rapporter. Et pour être un tout petit peu irrévérent, ceux d'entre nous qui ont assisté à l'allocution du président de la République nous présentant le plan de relance, il n'a pas dit nous avons fait un grand pas dans l'intégration européenne. Il a dit nous avons 40 milliards qui ne nous ont rien coûté. Voilà. Donc le principal auteur du plan l'a présenté de cette sorte au peuple français. Pour une raison simple. Et il y a quelque chose dans la dialectique allemande qui est profondément vrai. Nous n'aurons pas de transfert financier tant que nous n'aurons pas de démocratie européenne représentative. Pas de taxation sans représentation. Et donc, si nous devons demander aux contribuables allemands, aux contribuables français, aux contribuables italiens de consentir des transferts à d'autres citoyens européens, eh bien, ça doit se faire dans un cadre démocratique de fédéralisme budgétaire qui n'existe pas. Donc, indépendamment de leur réticence à l'accepter, je pense que la cohérence d'un certain nombre de pays sur ce plan-là est très vraie. Et que notre attitude
n'est pas tout à fait en ligne avec les exigences d'une démocratie représentative. Donc, sur le fond, nous avons tort. Nous excitons le populisme, nous excitons le nationalisme. Deuxièmement, sur le plan de la démocratie institutionnelle, c'est une position fragile. Je ne dis pas que ce n'est pas l'avenir. Je pense effectivement que si on réfléchit à l'Europe dans 40 ou 50 ans ou dans 30 ans, on a du mal à penser qu'elle puisse rester dans l'architecture actuelle. Je dis que insister là-dessus aujourd'hui comme le préalable à une nouvelle progression de l'intégration européenne, cela met l'accent sur ce qui nous divise et évite ce qui nous rapproche. Alors, un mot rapide sur ce qui nous rapproche. Je pense que nous sommes dans une phase où nous pourrions revenir à l'esprit des fondateurs. Et l'esprit des fondateurs, c'est de mettre en commun des ressources pour en tirer ensemble le meilleur profit. Et nous avons aujourd'hui des ressources qui sont les ressources numériques, le data, hein, où l'Europe a tous les atouts pour devenir une très, très grande puissance. Tous les atouts. Elle a la taille, elle a le marché, elle a une autorité de la concurrence qui est très, très en avance sur son appréhension des problèmes numériques. Elle a un système de valeurs qui mérite d'être discuté, mais qui existe. Je pense qu'aujourd'hui, les vrais Européens, enfin, je ne dis pas du tout que vous n'en avez pas, mais que les vrais Européens doivent se tourner vers l'avenir, doivent se tourner vers les projets que l'on veut mettre ensemble en œuvre. Et arrêter de se disputer sur la charge de la répartition du fardeau financier. C'est ce que fait le commissaire européen. On sent qu'au sein de la Commission, il a du mal à imposer totalement ses idées. Jean-Louis Borloo. Non, je veux pas. Thierry Breton. Pardon. Oui. Un lapsus. Hélas. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Désolé de ce lapsus, Jean-Pierre. Merci pour ces points. C'est donc, je pense qu'effectivement, cette question de l'Europe des transferts, c'est un conflit et qu'on ne peut pas considérer qu'il soit aujourd'hui résolu, même si peut-être que petit à petit, on finit par comprendre cette dimension et qu'il peut y avoir aussi des formes de garanties qui peuvent être des concessions et des compromis qui peuvent être trouvés là-dessus. Ce qui nous unit dans l'Europe, c'est aussi des éléments très importants, mais il n'y a pas que des choses qui nous unissent, il y a aussi des choses qui peuvent être des sujets extrêmement épineux qui sont devant nous, la transition environnementale, la question des migrants, la question de la sécurité, la question de la taxation et l'harmonisation de la taxation en Europe. Donc, tout ça sont autant de sujets aussi sur lesquels il sera intéressant d'avoir vos avis. Avant ça, je vais passer la parole tout de suite à Amandine. Donc Amandine Crespi qui est à Bruxelles. J'espère qu'il fait beau temps à Bruxelles. Beau temps, non, pas vraiment. Bon, mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Super. Très heureux de vous avoir. Tout d'abord, je suis très, très heureuse que le dispositif technique me permette d'être avec vous cet après-midi et de participer à ce printemps de l'économie pour la première fois en ce qui me concerne. Il y a beaucoup de grands sujets qui ont déjà été balayés hein, dans la discussion. Mais pour commencer, je voudrais peut-être revenir sur la question des leçons qui ont été tirées. Est-ce qu'elles ont vraiment été tirées depuis 2008-2010, lesquelles, etc. Parce que je pense que pointer certaines différences entre ces deux crises qu'on a tendance maintenant à mettre en parallèle permet aussi de pointer certains aspects importants pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui et ce qui va se jouer demain. Donc tout d'abord, c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé depuis le printemps, on sent que quand même un certain nombre de leçons ont été tirées. Donc il y a toute une littérature en sciences politiques d'ailleurs sur le learning, est-ce que les décideurs apprennent, comment est-ce qu'ils apprennent, etc. Bon, on sent qu'il y avait quand même la conscience qu'on ne pouvait pas refaire une politique pro-cyclique en temps de récession, qu'on faisait face à une urgence sanitaire et que les citoyens n'auraient pas compris qu'on continue à se lier les mains avec les règles de discipline fiscale européenne. Donc ça, c'est le premier verrou qui a sauté. Je pense qu'on a également pris conscience que les politiques d'austérité avaient affaibli les capacités des États, notamment en termes de services publics, en termes de système social et en particulier en termes de système de soins de santé. À cet égard, la pandémie a vraiment été un révélateur des conséquences sociales
de la discipline fiscale qui avait été menée de manière plus dure qu'elle ne l'était auparavant, donc depuis 2010-2011. Et donc, on voit une sorte de réhabilitation de la nécessaire capacité des États à intervenir et à agir directement dans l'économie face à une récession dont on a compris très vite qu'elle allait faire suite de manière assez dévastatrice à l'urgence sanitaire en elle-même. Ceci n'est pas en soi, me semble-t-il, mais je parle sous le contrôle des économistes, n'est pas en contradiction avec la doctrine ordo-libérale qui a pignon sur rue à Bruxelles et ailleurs et qui voit l'État comme le faiseur d'ordre dans les interactions entre marché et société. Mais simplement, on a réaffirmé peut-être un autre aspect de l'ordolibéralisme ici. Et puis, dernier point pour commencer, on a également pris conscience qu'on ne pouvait pas demander à l'Union européenne de faire toujours plus avec presque rien, c'est-à-dire un budget dont la taille est très, très, très restreinte face aux défis et face aux attentes d'un certain nombre de classes politiques, mais aussi des citoyens dans leur ensemble. D'où cette décision d'augmenter les moyens communs et de créer cet endettement commun. Alors finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer que les lignes aient bougé et est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales entre ces deux crises, hein? D'ailleurs, c'est un terme un petit peu, enfin, en tout cas, qu'on peut discuter qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'on peut vraiment les mettre sur le même plan. Je pense qu'une première différence, c'est la question du choc, hein, ce que les économistes appellent le choc asymétrique ou symétrique. Donc, en 2008-2010, on a clairement eu une cristallisation des rapports de force autour des pays créditeurs versus les pays débiteurs, les pays endettés qui étaient touchés de plein fouet par ce choc asymétrique. Dans le cas de la pandémie, certains ont dit, mais je pense que c'est discutable, qu'il s'agissait d'un choc davantage symétrique, puisque tout le monde est concerné, tout le monde fait face à cette pandémie. Mais bien entendu, on a vu que certains pays, malgré tout, dans le sud en particulier, ont tendance à cumuler les difficultés, à la fois avec des ressources fiscales très, très réduites à la base, et en plus ont été touchés de plein fouet par la pandémie. Mais l'aspect moral, et ce serait mon dernier point, il y avait eu quand même un discours très très moralisateur en 2008-2010 où on a culpabilisé un certain nombre de classes politiques, de pays à qui on a reproché de ne pas être suffisamment compétitifs, d'avoir créé beaucoup de dettes. Dans le cas de la Grèce, voilà, on lui a même reproché d'avoir fauté, d'avoir manqué de la loyauté la plus élémentaire envers ses partenaires européens, etc. Et le blocage des rapports de force qu'on a connu ces 10 dernières années s'est cristallisé sur la notion d'aléa moral. Donc l'aléa moral, c'est l'idée que dans un service, dans une situation d'assurance, le fait pour certains de se savoir assurés par des ressources européennes ou par des mécanismes de création de dette, de mutualisation de dette, agirait comme un désincitant à avoir un comportement vertueux, à mener de bonnes politiques, à avoir des finances publiques saines, etc. Et donc cette idée que l'aléa moral était très très présent et que donc les pays créditeurs ne pouvaient en quelque sorte pas faire confiance à tous les partenaires européens pour mettre en commun les ressources, je pense que cette idée-là a été affaiblie en fait par le fait que l'épidémie est une crise sanitaire. Donc c'est une question qui touche à la vie, à la mort, qui touche directement les citoyens et qui ne pouvait pas être mise sur le même plan qu'une crise financière, économique, etc., comme c'était le cas il y a 10 ans. Alors est-ce que ce verrou de l'aléa moral a véritablement sauté aujourd'hui? Est-ce que cette question a disparu? Je ne le pense pas. Je pense que beaucoup de choses vont revenir dans les années qui viennent. Voilà, je m'arrête là pour commencer. Je pense qu'on va poursuivre la discussion sur les enjeux d'avenir. Tout à fait. Merci beaucoup, Amandine. Donc,
Enfin, je vais peut-être un peu caricaturer votre propos, mais je pense que vous insistez sur le fait que, en fait, les avancées qui ont été produites étaient en fait impossibles à refuser d'une certaine façon, et que peut-être qu'un certain nombre de conflits ont été mis sous le boisseau parce que ça devenait absurde et indécent de continuer à afficher des positions trop rigides, mais que finalement, il n'y a pas de bascule idéologique qui se soit véritablement produite, et on reste dans un cadre qui reste empreint de tout un tas de limites qui sont celles de ces conflits justement de positions et la notion par exemple du hasard moral qui effectivement est au cœur de tout ça. Alors je vais redonner la parole à Xavier. Je profite de ce qu'a dit Amandine, et il y a aussi une question qui est apparue sur le chat, qui rebondit un petit peu sur les propos de Jean-Pierre, sur l'idée que probablement l'Europe a beaucoup d'intérêts communs sur le numérique, mais est-ce que ça se traduit dans les actes? Et comment expliquer par exemple que l'Europe laisse ARM se faire racheter par Nvidia, alors que ARM est un des acteurs majeurs de la fabrication et la conception de processeurs, et que son rachat par Nvidia peut toucher à la souveraineté numérique à un moment où, par exemple, après Huawei et la question de la 5G, on a vu que ces sujets pouvaient devenir tout à fait importants. Voilà, ça renvoie un petit peu aussi à la remarque d'Amandine, c'est-à-dire, oui, ça avance, mais en fait, ça avance contraint et forcé, dos au mur, et c'est peut-être pas à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Alors, qu'est-ce que notre marxiste... Alors, je vais tenir maintenant un propos anti-marxiste pour être sûr de... Non, mais j'ai un peu continué dans la même veine. Ce n'est pas du marxisme, c'est la géopolitique. Je pense que, par rapport à ce que j'ai entendu, je pense qu'on sous-estime le fait que ça change, et ça change profondément, parce que le monde a complètement changé. Et je prendrai un comme premier point d'entrée, c'est que le seul dirigeant européen qui a défendu l'idée d'un fédéralisme en faisant une référence au moment hamiltonien est le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, qui a parlé d'un moment hamiltonien. Et le moment hamiltonien, vous le savez, c'est quand les États-Unis ont décidé de socialiser la dette de tous les États après la guerre d'indépendance pour arriver à un État fédéral. Donc il a mis au niveau européen un saut fédéral qui vient de nos amis allemands, qui est complètement inédit. C'est juste l'émergence de la réalité. Quelle est la réalité qui change, qui va contraindre l'Europe et l'Allemagne à changer, qui le fait déjà? Et je vous pourrais donner des exemples. Un, la construction du moment néolibéral depuis 1980, je vais le dire un peu de manière caricaturale, mais c'était la projection un peu allemande de l'organisation internationale. Les banques centrales indépendantes, ça c'est la leçon de la Bundesbank de la gestion de l'inflation des années 70, les règles du multilatéralisme avec l'OMC, la concurrence pour tous, on baisse toutes les barrières douanières, on essaie d'avoir une concurrence, et les systèmes internationaux, FMI, OMC, gèrent la concurrence loyale et non faussée au niveau international. Ça, c'est le monde d'hier. Les États-Unis, ils reviennent avec des barrières douanières et ils imposent à l'Allemagne des barrières douanières et ils essaient d'imposer à l'Europe, avec leur gestion du dollar, des sanctions contre l'Iran. La Chine est maintenant devenue d'adversaire partenaire à plutôt un adversaire commercial, et la Russie, avec laquelle l'Allemagne rêvait de d'élargir l'Europe à l'Est, est dans une stratégie d'opposition systématique, de déstabilisation des démocraties occidentales. Donc c'est le retour du politique avec un grand P. Et ce sont des zones qui utilisent l'économie comme instrument de puissance. Vous le savez, il y a un professeur d'économie politique qui a dit ça, c'est le retour de Thucydide. C'est un peu le retour de l'économie de grand-papa, quoi, avec les États qui déstabilisent les démocraties, qui essaient d'avoir l'armée la plus grosse. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis quand on voit les dépenses militaires. Donc dans ce monde-là, la gentille Allemagne, qui a construit une vision du monde, une vision interne, qui était liée à sa sortie du nazisme, qui est l'ordolibéralisme, avec un parlement tout puissant et des règles fondamentales qui encadrent le jeu du marché, ce qui a très bien été dit, est complètement percuté par le retour de la géopolitique au niveau international. Et donc l'Allemagne bouge, l'Allemagne a besoin de la puissance européenne. Et donc après, pour tenir mon discours sur ce qui me semble le plus dur dans le futur, et moi c'est ma petite expérience, alors je vais me permettre d'essayer de parler de sciences politiques beaucoup moins bien de ce que vous avez dit d'économie qui était très pertinent, c'est que moi ce qui me semble très fondamental et très complexe, plutôt que règles et discrétion, c'est que l'Allemagne s'est construite avec une puissance du Parlement central,
comme jeu de pacification et de reconstruction du compromis social d'après-guerre. Donc le rôle du Parlement, il est crucial, et donc de la règle et du législatif. Nous, Français, on s'est construit dans l'après-guerre d'Algérie sur le rôle de l'exécutif tout-puissant, avec un Parlement qui est inexistant. Je trouve la façon dont le Parlement est traité dans notre pays est presque indécent dans leur construction de la politique économique. On a un pouvoir exécutif et administratif très puissant, c'est la façon dont on a géré. Et donc, toutes nos institutions européennes sont une tension entre le Parlement européen d'un côté, le Conseil, qui est en fait la coordination des exécutifs. Et dans cette crise, on voit que c'est l'approche française qui a un peu pris le pas. C'est le Conseil, c'est les politiques, les exécutifs. Et après, on verra comment ils vont faire voter les parlements. Et on va bien rigoler, parce qu'on n'est qu'au début du plan de relance. Il faudra que les parlements votent dans beaucoup de pays. Donc, on va voir comment ça se passait. Mais donc, il y a eu, une gestion d'urgence d'un choc inédit, certes, qui a entraîné une réponse des exécutifs européens, qui a été une créativité institutionnelle. Donc, je ne suis même pas sûr de connaître vraiment la base juridique de cet endettement européen. Mais ils ont réussi à avoir une créativité institutionnelle sur le mode de l'urgence, sur le mode de coordination des exécutifs. Donc oui, c'est extrêmement précaire, parce qu'il faudra solidifier en termes de droit européen et en termes d'institutions de représentation. Et deux, ce n'est pas sûr que ça se reconduise, parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vrai, un choc, un one shock. Et c'est, pour employer les termes allemands, c'est du partage du risque, ce n'est pas l'Europe de transfert. C'est pour ça que moi, personnellement, Jean-Pierre, je suis contre l'Europe des transferts. Je ne comprends pas ce que c'est que l'Europe des transferts. Si l'Europe des transferts, c'est demander que les contribuables allemands payent jusqu'à leur fin de leur vie pour augmenter le niveau de vie des pays du sud de l'euro, pourquoi ? Enfin, c'est, peut-être, mais demandons au contribuable allemand s'il est d'accord. Enfin, donc cette idée d'un transfert, voilà, cette idée d'un transfert où on vit avec l'argent des autres, même moi, je n'ai pas envie de vivre avec l'argent des autres. Et je pense que ce n'est pas une façon de bien construire l'Europe, d'arriver à cette vision d'un transfert a priori. Non, mais partage des risques. Investissement collectif dans des biens communs, tout ce genre de rhétorique qu'il faut construire, quels sont les biens communs européens, nos valeurs, oui, ça justifie une taxation différenciée des pays. Et il y a des transferts qui apparaissent, mais comme résidus d'un projet commun. Donc tout à fait pour mettre en avant les projets communs plutôt que le transfert, la vision budgétaire, qui risque de gangréner la politique européenne avec une règle de juste retour, dont on critiquait l'Angleterre, qui faisait calculs de quanta pour savoir comment ça lui rappelait. Il ne faut absolument pas qu'on la réintroduise au niveau européen. Mais là où je vais en finir, c'est que, il y a un changement géopolitique global qui fait un retour du politique, qui fait que toutes les règles de construction de la zone euro sont mises à mal. Comme ce qu'a dit Antoine, c'est la politique de la concurrence. La politique de la concurrence, on l'a mise entre parenthèses avec les aides d'État. La politique monétaire, on achète des dettes publiques de manière massive, c'est incroyable. Et la politique budgétaire, donc les trois dimensions clés de la politique économique, on a exposé les traités et c'est fini. Certes, c'est exceptionnel et ça ne dit rien du monde qui vient. Mais le fait qu'on ait été obligé de faire ça et que nos amis allemands ils comprennent très bien, des règles qui s'appliquent, sauf quand elles ne s'appliquent pas parce qu'on ne peut pas les appliquer, ben ça ne s'appelle pas des règles. Donc la leçon qu'on va tirer de cette crise, et là je fais mon pari mais c'est la prévision, c'est autant la crise de 2012, on a compris que l'austérité c'était mal, autant la leçon de cette crise, on va comprendre que les règles c'est mal et on va construire des institutions qui fonctionnent. Donc maintenant c'est l'investissement dans les institutions qui fonctionnent et sortir des règles. C'est un pari, je reconnais que là-dessus, ça va être. J'ai pas de preuve de démonstration. Ok, merci Xavier. Donc le moment hamiltonien, si je comprends bien, c'est 2012. Et le moment thucydidien, c'est maintenant. Et c'est effectivement Trump, le Brexit, la Russie, la Chine, la fin de l'OMC et tout un tas d'événements qui viennent se combiner et se cristalliser, par exemple, quand on s'aperçoit qu'on ne sait pas fabriquer les masques et qu'on risque de ne pas pouvoir en avoir parce qu'on n'a pas la souveraineté pour les exiger. Je vais rompre un peu l'ordre de tout à l'heure. Désolé Antoine, mais j'ai vu que Jean-Pierre... Je pense que Jean-Pierre a été interpellé par Xavier et je vais te laisser ensuite faire le sage et l'arbitre entre Jean-Pierre et Xavier. Oui, trois points et surtout le troisième. Premièrement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Amandine Crespi. Notamment sur l'aléa moral. Il ne faut pas comparer tout à fait ce qui se passe maintenant avec ce qui s'est passé en 2010-2012, parce que maintenant, ça n'est pas fini. Nous sommes au milieu de la crise. Et donc, projeter l'avenir en se référant à une crise qui, elle, est terminée, est probablement une grosse erreur. On ne sait pas comment ça va se passer.
Et juste pour planter le tableau, nous sommes dans une situation où effectivement il n'y a aucune différenciation entre les dettes publiques des pays, parce que la politique monétaire écrase les différences. Nous sommes dans une situation où effectivement toutes les règles ont été, et à juste titre, suspendues, les règles des aides d'État, les règles de budgétaires. Mais il faut se demander ce qui va se passer quand on reviendra, ce que tout le monde espère, à un état normal, c'est-à-dire une situation de croissance à peu près normale. Et là, les choses ne vont pas de soi. Hein. Quand on reviendra au jeu normal, notamment des marchés de dette, quand on reviendra au jeu normal des agences de notation, quand on reviendra à tout cela, les choses ne vont pas de soi. Donc il faut, on est au milieu de la crise, dans une situation très exceptionnelle, avec des mesures exceptionnelles. Il est bon stratégiquement de commencer à penser à la sortie. Mon opinion personnelle, deuxième point sur la sortie, c'est qu'il est très contre-productif de continuer à se focaliser sur ce qui fâche. Et ce qui fâche, ce sont les transferts financiers. Et quand j'avais le bonheur de conseiller des ministres et qu'on allait voir des étrangers avec lesquels on avait des débats très contentieux, je leur disais ne commencez pas par le contentieux, commencez par essayer de trouver des points d'accord sur autre chose. Sinon, on n'est pas dans une démarche positive. Nous avons des tas de sujets, à commencer par ceux que j'ai mentionnés, la concurrence, le numérique, où nous pouvons faire de très gros progrès rapidement. Donc il faut, à mon avis, la sortie de la crise, c'est aller sur ce qui est positif et sur ce qui nous rapproche, pas sur ce qui nous divise. Ça me paraît assez évident. Le troisième point, et ça, Xavier a fait une intervention extrêmement intéressante, sur lequel je pense qu'il a raison sur un point et tort sur l'autre. Il a totalement raison de penser qu'on entre dans une ère géopolitique. Et que c'est très difficile de concevoir l'économie sans penser à la géopolitique. Il a tort de penser que ces impératifs géopolitiques de puissance, appelant les choses par leur nom, impliquent de démanteler le système actuel. Absolument pas. Où est la force de l'Europe aujourd'hui ? Elle est dans son marché et elle est dans sa politique monétaire. J'espère que tout le monde a bien remarqué la montée, la musique douce qui monte progressivement de Francfort sur le fait que l'euro est en train de devenir une monnaie internationale. Ça n'est pas un hasard. C'est en parfait alignement avec les ambitions stratégiques qui sont affirmées à Bruxelles. Et donc, loin de démanteler ce qui nous va, qu'est-ce qui a fait l'identité et la puissance allemande ? C'est sa monnaie. L'Allemagne a émergé comme une puissance économique majeure et donc une puissance politique majeure à travers sa monnaie. C'est ce qui a fait son identité. Et c'est certainement quelque chose de réussi. Donc quand Xavier nous dit il faut penser aux bonnes institutions, où sont les bonnes institutions aujourd'hui en Europe ? Elles sont dans la monnaie. La BCE est une institution qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Hein ? Je ne veux pas d'une Europe allemande ou française. Je veux d'une Europe qui s'appuie sur ses vrais facteurs de puissance, pas sur des facteurs imaginaires. Et bien sûr, nous avons signé des traités qui nous donnent une certaine approche de la politique monétaire, on peut en parler, mais ça réussit très très bien. L'euro est la deuxième monnaie mondiale. L'euro a montré qu'il pouvait réagir dans des circonstances extrêmement difficiles de manière parfaite. Personne n'a le moindre reproche à faire à la politique monétaire qui est conduite aujourd'hui. Pourquoi vouloir démanteler tout ça ? Pourquoi vouloir mettre en jeu l'indépendance des banques centrales ? Pourquoi vouloir mettre par terre les institutions qui fonctionnent tout en disant qu'on veut des bonnes institutions ? Donc, c'est là qu'est la contradiction du discours. On veut une Europe puissance et on veut démolir ce qui en fait la puissance aujourd'hui. Xavier répondra. Il va répondre. Et puis on peut avoir de bonnes institutions en plus de celles qui fonctionnent. On n'est pas obligé de démanteler. On n'est pas obligé d'avoir une bonne institution et donc de décider de sacrifier la Banque centrale. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais ça n'est pas tout à fait ce qu'avait dit Xavier. C'est pas tout à fait ce qu'avait dit Xavier, mais je vais laisser la parole à Antoine quand même, puisque j'avais promis qu'il allait jouer le rôle d'arbitre. Oui, alors donc, je ne sais pas si je vais jouer le rôle d'arbitre. D'une certaine manière, je suis un petit peu surpris. Alors peut-être sur cette question de l'Europe des transferts, parce que je pense que. Je suis d'accord qu'en bon diplomate, il faut avancer avec les idées qui mettent tout le monde d'accord. Mais du point de vue de l'analyse et du point de vue du diagnostic, il faut quand même partir du constat qu'il y a déjà des transferts. L'Europe des transferts, ça existe. Je veux dire au sens où les politiques européennes ont des effets redistributifs. L'Europe de l'euro, on a bien vu qu'elle avait produit d'abord beaucoup de divergences, en fait. Elle n'a pas tenu sa promesse, en quelque sorte, de convergence entre les différents États. Donc je pense que quand on pense à l'Europe des transferts, avant même d'agiter, si, en quelque sorte, cette peur, je comprends très bien, etc., parce que je pense que la question est mal posée,
Mais si on pose la question aussi en rapport à ce qu'ont été les évolutions économiques et sociales des différents pays depuis l'intégration monétaire, je pense que la question prend un autre relief. Bon, ça, c'est un point de la discussion. Ensuite, moi, je rejoins tout à fait ce que disait Xavier Rago sur le retour du politique à ce bémol près qu'effectivement la Banque centrale a quand même joué un rôle considérable dans la gestion de cette crise. Et d'une certaine manière, c'est elle qui a ouvert le feu, si je peux dire, de la réaction ou de l'intervention publique. C'est la première à avoir, en quelque sorte, être entrée dans l'arène de la gestion de la crise Covid et de ses conséquences économiques. Donc je pense qu'il y a une sorte plutôt de binôme qui s'est imposé et qui s'impose de plus en plus, effectivement, dans la gestion des crises européennes, qui est le Conseil européen, qui est acquis en une quinzaine d'années une sorte de leadership politique pour la gestion des crises économiques, ce qui est, il faut quand même le voir à l'échelle de l'histoire européenne, complètement nouveau, et pas seulement des crises économiques, puisque c'est eux qui... C'est le Conseil européen qui gère aussi la crise de l'accueil des migrants, la crise du Brexit, etc. Donc c'est vraiment devenu la cellule de décision européenne principale, et puis la Banque centrale, effectivement, en binôme. Alors l'effet de ce retour du politique, c'est que c'est un retour très sélectif, parce que ça se fait, mais tu l'as dit, hein, au détriment quand même des arènes parlementaires. Une des caractéristiques qui se prononce à chaque crise davantage, c'est la marginalisation des parlements. La marginalisation du Parlement européen, qui n'a pas eu son mot à dire, et qui ne l'aura d'ailleurs toujours pas sur le plan de relance. Il aura son mot à dire sur le cadre financier et pluriannuel, bien sûr, mais dans le plan de relance, il n'a pas eu grand-chose à dire, ou il a un rôle consultatif, ce qui n'est évidemment pas à la hauteur de ce qu'un Parlement du rôle qu'un Parlement devrait jouer. Et puis, bien sûr, ce qui explique aussi les résistances et les blocages actuels, hein, dans la mesure où il est associé trop tard, et donc, évidemment, rechigne en quelque sorte à adopter ce plan de relance tel qu'on lui avance, en quelque sorte déjà un peu ficelé. Et je pense que c'est vrai aussi des parlements nationaux. Donc ce qui se prononce, c'est cette espèce de binôme, c'est-à-dire des exécutifs, et notamment l'Eurogroupe et le Conseil européen, qui sont vraiment à la manœuvre en permanence, autour des ministres des Finances et des chefs d'État et de gouvernement, et la Banque centrale européenne. Donc, effectivement, je pense que c'est dans des situations de crise, peut-être que c'est une solution, peut-être que de cette évolution comme ça de tendance de la construction européenne, quand même, pose un problème démocratique. Je pense qu'on est obligé de soulever cette question-là, c'est-à-dire quels sont les espaces démocratiques de discussion, de délibération, à partir du moment où, je crois, le plan de relance, d'une certaine manière, assez rapidement va mettre en jeu la question des ressources propres. Assez rapidement, comme vous le disiez au propos de l'Allemagne, va mettre en jeu la question des contributions, des subventions nationales. Donc, on est là au cœur de l'argent public national, notamment. Donc, je trouve que, effectivement, cette évolution, à la faveur des deux crises, sans doute différentes, évidemment, c'est difficile de parler de la seconde actuellement, on est en plein dedans, mais cette évolution, bien sûr, je pense qu'elle a cette incertitude démocratique qui risque de nous revenir un petit peu en boomerang, effectivement, à un moment ou à un autre, dans la mesure où ces questions-là, extrêmement sensibles, n'auront pas été traitées avec la politique représentative. Oui, c'est un point, je pense, assez important, parce que il y a des oppositions nationales sur la question est-ce qu'on est parlementariste ou pas. La position française, je crois que Xavier l'a rappelé, est une position qui n'est pas parlementariste et donc qui voit effectivement dans le Conseil un organe probablement efficient d'exercice et de responsabilité face au pouvoir, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui n'était pas le cas au Royaume-Uni non plus, où le poids du parlementarisme est très fort. Mais il y a aussi défendre la souveraineté de son Parlement national par rapport à l'émergence d'une démocratie européenne, ce qui est encore une autre question. Et là, il peut y avoir une convergence d'intérêts entre la France et l'Allemagne, par exemple, la France contre le parlementarisme, l'Allemagne pour la souveraineté de son Parlement. Je vais passer la parole à Amandine. Si on pouvait aussi explorer ces questions sous l'angle, par exemple, dans le plan de relance, la question des droits de l'homme et le point délicat de la Pologne, ce qui est aussi... Enfin, en dehors du cas polonais, mais c'est aussi la position des pays européens sur la Pologne qui me paraît
tout à fait, enfin, des autres pays européens sur la Pologne qui me paraît tout à fait importante. Et puis, à propos du parlementarisme, il y a aussi un autre exemple, enfin, en tout cas, un sujet dont le Parlement européen et la Commission se sont emparés ensemble, qui est le Green Deal. Et donc, est-ce que là, il y a aussi un embryon de quelque chose qui peut venir bousculer certains ordres existants et certaines pratiques ? Amandine. Oui, mais vous êtes libre, Amandine, de répondre à d'autres questions. Et je rappelle aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat de YouTube, le site du Printemps de l'Écho ou Twitter. Hashtag Printemps de l'Écho. Oui, j'aurais voulu d'abord rebondir sur ce qui a été dit sur les questions de parlementarisme, etc. Donc, on contraste à juste titre le modèle français très, très exécutif et le modèle allemand, mais il faut bien comprendre que l'époque où ces différences de régimes nationaux se traduisaient dans une différence de projection au niveau européen, cette époque-là, elle est révolue. Donc, en clair, l'époque où l'Allemagne favorisait un modèle parlementaire au niveau européen, une Europe plus fédérale, elle est totalement révolue. Donc, sous l'ère Merkel, on a vu au contraire qu'elle avait contribué à aligner l'Allemagne dans une grande mesure sur les visions françaises d'une Europe des États, avec après l'idée que chaque pays au niveau national est libre d'avoir un parlement fort, faible. Donc effectivement, en Allemagne, le Bundestag est au centre, mais cela ne veut pas dire que l'on cherche à construire un vrai parlementarisme européen. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important de le comprendre parce que ça explique ce qu'a expliqué Antoine en fait sur la prévalence du Conseil européen et la montée en puissance très très forte de cette institution ces derniers temps. Donc je pense qu'il y a là un alignement en fait franco-allemand sur un modèle d'Europe intergouvernementale pour le meilleur et pour le pire. Deuxième point, sur le moment hamiltonien, moi j'avoue que j'ai du mal à y croire, je pense que c'est de la rhétorique. Alors effectivement, on l'a dit, les lignes ont bougé, mais en fait l'Union européenne n'est pas vraiment un système politique qui peut avoir un moment hamiltonien. L'Union européenne reste un système profondément conservateur, difficile à changer et qui évolue plutôt à petits pas, de manière incrémentale. Alors c'est vrai que ça avance un petit peu plus vite quand il y a des contraintes fonctionnelles, des pressions extérieures plus fortes. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de crise ou de l'avancée dans les crises. Mais malgré tout, en guise de moment hamiltonien, je pense qu'on n'a pas changé fondamentalement le logiciel de la gouvernance européenne, que la question des règles de discipline fiscale reviendront sur le tapis dans les toutes prochaines années. Que la question des ressources propres, de la création de nouvelles ressources propres, elle est encore dans les limbes. J'espère qu'elle avancera, mais ce sera véritablement au forceps si c'est le cas. Et je crois qu'on a surtout une vraie difficulté à construire en fait un paradigme socio-économique positif au niveau européen, c'est-à-dire avec des ambitions communes, notamment fondées sur un modèle d'investissement. Investissement dans une économie de recherche et de développement, investissement social, etc. Donc voilà, moment hamiltonien, je trouve, à remettre en perspective lorsque l'on voit quand même cette dépendance extrêmement forte à des règles donc je ne veux pas dire qu'ils sont gravés dans le marbre par les traités, parce qu'on voit que la politique peut prendre la main sur les traités, mais malgré tout, un certain nombre de règles, et notamment le pacte de stabilité et de croissance, sont constitutionnalisées, et il faudra plus qu'une pandémie ou plus qu'un package financier pour remettre ce logiciel-là en cause de manière assez profonde, à mon avis. Ensuite, pour finir, le troisième point, donc on parle là de démocratie, de la Pologne, ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, etc. Donc ça, c'est un élément, hein, ces débats et ces affrontements extrêmement forts sur l'état de droit dont on est témoin en ce moment, fait partie d'un débat plus large sur la question de la conditionnalité. Ce concept de conditionnalité, qui signifie que, en fait, on met des conditions à la distribution de ressources financières européennes,
ces conditions pouvant être économiques, donc typiquement le respect des règles de déficit et de dette, ces conditions pouvant être plus politiques, comme c'est le cas avec le respect de l'état de droit. Cette notion de conditionnalité devient, et ces 10 dernières années, monte en puissance et devient extrêmement centrale, devient un nouveau principe moteur de la gouvernance européenne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les interdépendances économiques en particulier, mais aussi financières, fiscales et politiques s'accroissent, eh bien, il y a une volonté d'affermir le contrôle mutuel sur la manière dont ces ressources sont dépensées par les gouvernements nationaux, et d'où l'insistance des frugaux sur cette question de conditionner les ressources financières européennes à un certain nombre de principes, et que cette conditionnalité puisse être vérifiée et contrôlée par le Conseil lui-même de manière multilatérale. Et donc, si je comprends bien, cette conditionnalité, c'est un instrument intergouvernemental. Puisque le Parlement européen parfois aussi parle de conditionnalité, mais il n'a peut-être pas exactement le même sens de la coercition que celui que le Conseil ou que les pays, les gouvernements européens peuvent avoir autour de cette notion de conditionnalité. Alors, si je peux répondre rapidement, c'est un principe général qui n'est pas intrinsèquement intergouvernemental, mais qui en fait met en jeu la Commission européenne dans un rôle, je dirais, de secrétaire, dans un rôle de bras droit du Conseil et du Conseil européen, qui, eux, tranchent les conflits politiques sur la conditionnalité, mais avec une sorte de monitoring permanent, régulier, qui est opérationnalisé, si vous voulez, par la Commission européenne, et avec le Parlement européen qui est tenu quand même à bonne distance, dans un rôle d'arène où s'expriment également certains débats. Merci Amandine. Jean-Pierre, j'ai vu que vous vouliez réagir. J'en profite, j'ai une question qui est apparue et qui me paraît une question importante parce que c'est une question de vocabulaire, d'éclaircissement et de concept. Mais l'Europe des transferts, c'est quoi exactement? Et je pense qu'effectivement, pour la bonne compréhension du débat, je suis parvenu sur tous les mots et sur tous les concepts et toutes les définitions parce qu'il y en a beaucoup. Mais je pense que celle-là est quand même centrale. Donc, si vous pouviez nous dire un tout petit mot là-dessus. Sous contrôle des autres intervenants, je pense que ce qu'on appelle l'Europe des transferts, c'est une Europe où, de manière institutionnalisée, permanente, certains États contribuent financièrement à d'autres États. Et donc certains contribuables, pour parler un peu populiste, et je m'en excuse, certains contribuables d'Europe subventionnent d'autres contribuables européens. Voilà. C'est ce qu'on a fait pour la Grèce. Je ne vous donnerai pas le chiffre de ce que chaque contribuable français a mis dans l'effort grec, mais c'est un chiffre extrêmement substantiel. Donc c'est ça, les transferts financiers. Et quand Xavier dit « je ne veux pas parler de ça, je veux parler de partage de risques », mais comme les risques sont asymétriques, les transferts financiers vont toujours dans le même sens. C'est comme ça que c'est perçu par les pays du Nord. Hein. Donc le discours sur le partage de risques est perçu, je pense, par les pays du Nord comme un discours de camouflage, voire de légère hypocrisie sur le fait qu'on veut en réalité des transferts financiers. Sur l'aspect institutionnel, ce n'est pas ma spécialité, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que ça ici, mais je vais essayer de dire quelque chose sur le plan économique. D'abord, je n'ai pas l'impression que le Parlement européen soit en régression. J'ai l'impression que son pouvoir s'affirme de plus en plus, de manière continue, incrémentale, très fortement. Il a un pouvoir normatif très fort. C'est très difficile de faire passer une directive qui déplaît au Parlement européen. Et il a maintenant un pouvoir sur les nominations, l'approbation de la Commission. On a quand même vu la procédure pour aller à l'approbation de la Commission. Et certains candidats commissaires français s'en souviennent avec beaucoup d'acuité. Donc je n'ai pas du tout l'impression que le Parlement européen perde en pouvoir. Ce qui se passe, c'est que les Français ne le prennent toujours pas au sérieux, avec énormément d'inconvénients pour notre pays. Sur les institutions, on voit s'esquisser un projet qui est un projet très respectable, qui consiste à essayer de créer une Europe politique à partir de l'intergouvernemental et du Parlement. Je pense qu'à terme, c'est le bon... Et évidemment, les transferts financiers qui vont avec. À terme, c'est le bon projet. Sur quoi peut-on progresser, à mon avis, dans les 5 ans qui viennent ?
je pars d'un constat évident. Où l'Europe existe-t-elle? Où l'Europe est-elle sans conteste considérée comme une puissance mondiale? Deux domaines. La monnaie, la concurrence. La deuxième monnaie d'Europe et l'autorité de la concurrence qui est aujourd'hui la plus forte, la plus respectée, la plus développée et qui est la seule qui s'attaque vraiment au problème de concurrence dans le numérique de manière cohérente et visionnaire. Pourquoi est-ce que l'Europe est forte dans la concurrence et dans la monnaie? Parce qu'elle a opté pour un système institutionnel qui fonctionne très bien, qui est un système complètement supranational dans un domaine limité. Et moi, ce serait ma solution institutionnelle aujourd'hui à ce qu'il faut faire en Europe. Et si j'avais à faire une proposition institutionnelle, je pense qu'il faudrait passer très très vite à un système totalement supranational en matière de politique économique extérieure et de politique commerciale. Xavier l'a dit, nous avons des enjeux qui sont à l'intersection du stratégique et de l'économique et du technologique avec la Chine, avec les États-Unis. Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre en tant que puissance d'aborder ces enjeux avec des États qui sont les uns et les autres soumis à des influences extérieures politiques ou économiques ou financières. On voit bien la stratégie de la Chine en Europe centrale. Donc, si nous voulons avoir une Europe qui s'affirme technologiquement, économiquement, sur la question essentielle des investissements étrangers, Xavier en a parlé, eh bien nous avons besoin de nous détacher de ces influences politiques sur des États individuels et donc de passer à une politique économique extérieure qui soit totalement supranationale. Ce serait ma proposition institutionnelle immédiate et je pense qu'elle représenterait un grand progrès. Politique économique extérieure, donc si je comprends bien, ça inclut les sujets de souveraineté numérique, les sujets technologiques, les sujets de protection de technologie. Alors, sur la qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la technologie? C'est très intéressant. On s'appuie sur ce qui existe, c'est-à-dire sur la politique de la concurrence. Et donc, on est en train d'essayer, avec parfois beaucoup de revers. Hein. L'arrêt de la Cour de justice sur ce qui s'est passé sur le numérique est un revers. Donc, on s'appuie sur une compétence européenne incontestable et fédérale, qui est la politique de la concurrence, pour essayer d'avoir une politique de taxation du numérique et, d'une manière générale, une politique de régulation du numérique. Ça marche plus ou moins bien, mais l'Europe est la seule. L'Europe est la seule à développer une approche intégrée du numérique. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette approche. Hein. Je pense qu'on parle un peu des valeurs, on n'aura pas le temps d'en parler. Je pense que les tensions qui existent entre les valeurs et l'efficacité économique ne sont pas suffisamment explicitées dans le domaine numérique. Mais néanmoins, nous avons une politique, qu'on soit d'accord ou non. Mais nous avons une politique. Nous avons une politique monétaire, qu'on soit d'accord ou non, mais nous l'avons. Et donc, je comprends que Xavier ne soit pas d'accord, mais vouloir la détruire, ça me paraît très dangereux. Donc, encore une fois, l'Europe existe là où elle est supranationale. Elle ne peut pas être supranationale partout. Et donc, la voie du progrès, c'est de chercher là où on peut gagner un peu en supranationalité pour affirmer la puissance. Bon, je connais bien Antoine, et d'ailleurs, je partage beaucoup de choses avec lui. Je pense que supranational, c'est quelque chose qui peut lui parler. Mais autorité supranationale, peut-être que ça le fait un peu tiquer et que peut-être la question du contrôle de ces autorités supranationales... Du supranationalisme spécialisé avec un mandat. Hein. Spécialisé avec un mandat, mais est-ce que c'est sous le modèle de la Banque centrale, c'est-à-dire indépendant, inscrit dans un traité avec un mandat qui, de fait, conduit à une forme on peut lâcher le mot, de dictature Peut-être que ça rejoint aussi ce que Xavier voulait dire. Écoutez, alors, bon, ça, c'est un grand débat. C'est un débat qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Moi, je pense que ce modèle-là, ce qu'on appelle le modèle d'agence en économie, ce modèle d'agence, il est premièrement parfaitement adapté à des sociétés technologiques complexes et deuxièmement, parfaitement adapté à la situation européenne politique aujourd'hui. Oui, ça, c'est le moyen de faire des progrès. Bon. Je pense que l'agence permet d'articuler la question de la compétence technique et du mandat politique, si c'est bien fait. Après, la question, c'est le mandat politique. Comment on le définit? Et est-ce que le mandat politique de la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui le modèle sur lequel on doit construire ces futures agences nationales? À titre personnel, je le pense. Et même si je ne le pensais pas... Je vais laisser quand même Antoine et Xavier... À titre personnel, je le pense. Et même si je ne le pensais pas, on a signé un traité. On ne peut pas. Il faut faire très attention à ce qu'on fait là. Hein. Nous avons signé un traité où la philosophie monétaire est clairement explicitée. Alors, il y a deux questions. Hein. Je pense que c'est notre intérêt. Il y a deux questions. C'est revenir sur éventuellement le mandat de la Banque Centrale Européenne et se servir du mandat de la Banque Centrale Européenne comme d'un modèle pour d'autres agences supranationales, qui deux formes de révolution quand même un petit peu gradées et hiérarchisées. Antoine. Juste une phrase après. On voit bien en ce moment qu'on est en train de se débattre du mandat de l'autorité de la concurrence. Et c'est très bien.
C'est très bien. Antoine. C'est le rôle du politique de débattre du mandat. Mais le jour où on se sera mis d'accord sur un mandat, il faut laisser l'autorité de la concurrence opérer. Tu as la parole, Antoine. Non, mais c'est vrai que c'est une vaste question. Et de fait, là où je rejoins ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, c'est disons, ce qu'on sait faire. Ce qu'on a, de cette manière, en matière d'intégration européenne, la recette, en quelque sorte, qu'on sait appliquer. On l'a fait pour la Direction générale de la concurrence, on l'a fait pour la Banque centrale européenne, on l'a fait pour toutes sortes d'agences, et vous proposez de le faire, y compris pour les négociations commerciales. Bon, je pense que c'est un modèle qui a quand même aussi ses limites, c'est-à-dire que dans la mesure où on voit que la Banque centrale est beaucoup plus qu'une banque centrale, ou en tout cas telle qu'on l'avait définie initialement, c'est aussi un régulateur, c'est aussi l'autorité bancaire, c'est aussi une institution qui joue un rôle quasi politique, hein, comme elle a joué dans le cadre de la Troïka, enfin en coordination avec d'autres institutions. Mais, et même donc, budgétaire. C'est aussi une institution exécutive. Bref, c'est devenu quelque chose de bien plus large que ce pourquoi on l'avait inventé. Donc là-dessus, évidemment, la légitimité relativement étroite dans laquelle qu'on lui avait conféré initialement, avec un mandat qui, au contraire, est devenu énorme. On a des contradictions, et je pense que même si le souci d'efficacité est compréhensible, il y a un moment où nos pactes démocratiques sont quand même aussi en question. Et donc, et je pense que, comme politiste, en tout cas, je me fais le relais de cet enjeu. Un autre point, je ne sais pas s'il nous reste encore, bon, juste très rapidement, mais là où je suis encore une fois à moitié d'accord avec vous, je pense que le Parlement européen a effectivement beaucoup gagné en pouvoir législatif, mais il y a une nouvelle donne depuis Maastricht. Depuis Maastricht, la nouvelle donne, c'est l'euro, c'est-à-dire un gouvernement, et progressivement depuis la crise de 2010-2012, un gouvernement européen des politiques nationales, des politiques économiques, des politiques fiscales, des politiques budgétaires. Et dans ce gouvernement qui est devenu en fait le creuset de toutes les intégrations européennes depuis 2010 encore plus, c'est-à-dire là où la dynamique d'intégration est la plus forte, dans ce gouvernement économique, là pour le coup, le Parlement européen est vraiment dans une position secondaire. Et donc en fait, paradoxalement, au moment où il rattrape en quelque sorte sur le plan du Parlement, du marché unique en quelque sorte, les pouvoirs d'un Parlement habituel, enfin, bon, quelques nuances près, du point de vue de ce gouvernement économique européen, là, il est en train, effectivement, d'être marginalisé, et la crise actuelle le confirme. Et là, je pense qu'il y a, effectivement, un vrai problème pour le Parlement européen, puisque le semestre européen, qui est le cadre de ce gouvernement, est en train de devenir, avoir une sorte d'effet dément sur toutes les politiques européennes. Et donc, il y a une sorte de déplacement du centre de gravité de la politique européenne vers ce gouvernement économique. Et donc, autant, je pense, de dépossession, malheureusement, pour le Parlement européen. Xavier. Alors, rapidement, je suis assez d'accord plutôt avec Antoine et Amandine sur le rôle de l'exécutif européen qui est en train de se construire. On est en train de construire un exécutif européen. Moi, je prendrai une remarque qui m'a frappé d'un ami allemand qui avait des responsabilités dont je vais taire le nom, je ne sais pas s'il le dirait de manière publique, qui disait « La France, vous avez gagné. Nous, Allemands, vous voulez construire l'Europe par la règle. Vous, l'Europe par l'institution. La règle ne marche pas. Nous allons construire des institutions. » Il a dit ça très tôt. Et ce que je vois, c'est qu'on construit des institutions. Et l'institution dans laquelle on investit, c'est le Conseil essentiellement. Parce qu'après, l'autre point, petit 2, Amandine a dit qu'il y a les règles de Maastricht qui constitutionnalisent la gouvernance économique. Personnellement, en tant qu'économiste, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Les critères de Maastricht, c'est un déficit de 3% et c'est une dette publique de 60%. Prenez dans les 15 dernières années, est-ce que cette règle a été appliquée? Elle n'a jamais été appliquée, par exception. On est en train de se demander, nous, économistes, est-ce que cette règle, quand même, a influencé indirectement les États, bien qu'elle ne soit pas appliquée? Et qu'est-ce qu'a fait Juncker et Moscovici en 2015? Ils ont fait une commission à tous les gouvernements européens pour expliquer les flexibilités de la règle qui donnait en fait un pouvoir discrétionnaire à la Commission. La Commission est discrétionnaire aujourd'hui dans l'application de la règle. La règle, c'est une sorte maintenant de dictionnaire général avec plein de mots qui permettent une rhétorique commune. Et c'est la Commission qui, effectivement, dans le semestre européen, donne une tonalité globale aux pays et qui font après éventuellement une règle de procédure de déficit exécutif. Je pense qu'on sous-estime le fait que maintenant, petit à petit, alors d'une manière assez antidémocratique, mais qui est un peu fonctionnelle en vivant cette crise, on est en train de construire l'Europe par un exécutif. Ça, je le vois de tous les côtés.
Point 2, ensuite, pour provoquer Jean-Pierre Landau. Je ne veux pas détruire la politique monétaire. Mais elle l'a fait toute seule. Moi, je vois la réalité. C'est qu'on a fait un mandat de la Banque centrale où ça devait être 2% d'inflation. Ça fait 15 ans que la Banque centrale ne tient pas son mandat. Enfin, normalement, dans une entreprise, les gens sont licenciés s'ils n'ont pas leurs objectifs. Là, ça fait 15 ans qu'elle ne tient pas son mandat. Parfois, et que Mario Draghi, dans la crise, a dit à juste titre, et je dis ça, pas de provocateur, parce que je défends la Banque centrale européenne, qui est l'institution qui fonctionne le mieux au niveau européen. Mario Draghi a dit dans cette crise, en 2012, je sauverai l'euro quoi qu'il en coûte. Et donc, il s'est impliqué dans une stratégie maintenant de politique qui... L'interaction entre la politique monétaire et la politique fiscale est impossible à déjouer. Quand la Banque centrale rachète 25% de la dette publique et rachète toutes les adjudications quasiment des pays dans cette crise, l'intégration monétaire et budgétaire a changé de monde. Et on le sait tous. Et je pense que dire seulement on va réaffirmer le modèle passé, non, on sera obligé de réfléchir différemment à la politique monétaire dans un monde où le niveau de dette publique n'a jamais été atteint comme celui d'aujourd'hui. On n'a jamais connu un dette publique, ni pendant la Seconde Guerre mondiale, ni en temps de paix, ni en temps de guerre. Et la dette publique est tenue en grande partie par les banques centrales. On réfléchira différemment au niveau européen, d'une manière consciente et démocratique, à une évolution de son mandat, parce que maintenant, les choses sont trop imbriquées. Donc, voilà, le monde a changé. Moi, j'y peux rien. C'est la crise, les crises successives, qu'on ait cette formidable institution qu'est la Banque centrale européenne à sauver l'euro. Heureusement qu'elle l'a fait. Mais maintenant, il faut que l'essence soit en lien avec son existence. Je laisse Jean-Pierre méditer. Il aura la possibilité de répondre. Mais avant, je vais passer la parole à Amandine... qui, bien qu'elle est loin, on ne l'oublie pas. J'en profite aussi pour glisser une question. On a parlé de cet exécutif européen naissant sous la forme du Conseil, plus ou moins en liaison avec le Parlement européen, enfin plutôt moins que plus. Une question qui a été posée, je pense qu'elle est assez pertinente, c'est de savoir est-ce qu'au-delà de construction institutionnelle ou de... régulation économique en termes habituels, cet exécutif est capable de porter des projets comme il a été le cas dans le passé de l'Europe, autour de l'espace, autour de l'aéronautique. Et est-ce que cet exécutif est capable de pousser demain des géants du numérique européens ou des projets d'éducation ou de recherche de grande ampleur? Ou est-ce qu'il va s'en tenir à une espèce de mécano un mélange d'institutions et de tirer sur les manettes de la politique monétaire, budgétaire, dans une espèce de routine qui peut parfois paraître un peu distante en fait, des enjeux sur le terrain. Amandine, sur cette question et sur évidemment tout ce qui vient d'être dit autour de la Banque centrale, autour du Parlement. Oui. Alors, avant d'en venir à cette dernière question, je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Pierre Landau et qui est très intéressant sur les politiques extérieures et l'efficacité de l'Union européenne sur ces politiques et sur l'idée que finalement l'Europe ne pourrait se construire que par l'affirmation d'une sorte de souveraineté vis-à-vis de l'extérieur dans ces politiques extérieures. La politique commerciale est vraiment un cas d'école en la matière pour s'intéresser aux enjeux politiques de ces politiques extérieures, puisque l'Union européenne a une compétence exclusive pour négocier les traités de libre-échange. Et qu'a-t-on vu ces dernières années avec le CETA, le TTIP, donc les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada et les États-Unis? Alors le TTIP a périclité pour une série de raisons qui n'étaient pas forcément liées à la contestation, mais en gros, ce qu'on a vu, c'est une politisation de ces accords qui, il y a plusieurs décennies, étaient négociés dans les cénacles et l'Union européenne exerçait sa compétence exclusive. La Commission allait négocier ces accords-là et tout cela ne posait pas de problème. Or, on voit l'irruption du politique, on voit des mouvements citoyens qui disent « mais attendez, ces accords vont avoir un impact sur nos producteurs locaux, sur nos standards environnementaux, sociaux, sur la capacité des gouvernements nationaux à réglementer leur propre marché, etc. »
etc. Donc on voit que ça n'est pas si simple et c'est très très intéressant, hein, et la porosité entre les politiques externes et les politiques internes s'accroît en fait toujours davantage, on n'arrive plus très bien à distinguer et je pense que là on doit vraiment réinventer un modèle plus démocratique pour ces politiques qui, même si elles sont externes, en fait, recèlent des enjeux tout à fait fondamentaux qui intéressent les citoyens et où ils ont, en tout cas, ils revendiquent avoir leur mot à dire. Ouais, sur très rapidement, donc, Amandine. Oui, rapidement, mais peut-être sur la dernière question hein, soulevée, la capacité de l'exécutif européen. Je crois que c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que à la grande époque du leadership à la Delors de la Commission européenne, la Commission, c'était la face de l'exécutif européen, mais impulsait des projets, le marché unique, dans une certaine mesure, une Europe plus sociale, etc. Là, on a du mal à voir, on voit bien qu'il n'y a pas véritablement de stratégie coordonnée et que ce Conseil européen, c'est la politique des crises constamment. Et l'exemple des migrations est vraiment un exemple dramatique qui montre qu'en fait on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un modèle, sur un enjeu aussi fondamental. Merci, merci Amandine. Alors le temps a tourné toujours plus vite que ce que j'aurais aimé. Ce sujet a beaucoup de richesse et les intervenants ont encore plus de richesse que le sujet. Donc je vais d'abord évidemment les remercier. Je retiens aussi cet élément dans le paysage démocratique européen, donc d'une démocratie qui n'est pas simplement constituée d'un conseil, d'une commission, d'un parlement ou de parlements nationaux, mais aussi d'une opinion publique qui commence à émerger et qui a effectivement, Amandine l'a rappelé, émergé sur des questions commerciales. Je pense que c'est un élément très intéressant, mais je pense qu'elle émerge aussi sur tous ces sujets qu'on a évoqués, qui sont les questions de souveraineté, qui sont les questions de champions européens. Où il y a une forme de données privées, effectivement, de qu'est-ce que sont les principes de l'Europe, en fait, qui ne sont plus des éléments qui sont simplement définis dans des traités ou par des parlements, mais qui sont aussi des choses dont les citoyens européens s'emparent, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça promet d'autres conflits avec d'autres acteurs, et donc j'espère qu'on aura, au prochain printemps de l'économie, l'occasion de revenir. Je suis très content du panel que j'ai réuni. Je vous remercie et merci à tous. Merci pour vos questions. Et donc, j'arrête là.